Alors maintenant, je disais, pour le cadre de la France, par exemple, je vais revenir, il parle par rapport au président qui sera après Macron. Dans un autre enseignement, j'ai dit, il y a personne sur la terre qui peut dire qu'il est autochtone. C'est-à-dire que quand vous traitez contre les étrangers, et j'avais dit dans notre prophétie, que ce qui arrive à la France, comme la France traite les étrangers, Dieu va le traiter. Le Seigneur veut susciter le réveil en France, il y aura le réveil. Mais il y a un homme qui va se lever. J'ai seulement dit, ok, de cette façon-ci, il faut parler de cette façon-ci. C'est-à-dire que si vous regardez Poutine, n'est-ce pas? Vous connaissez Poutine. Regardez Poutine. Et puis vous tournez du côté du Nigeria. Vous regardez le président nigérien. Vous me suivez? Vous savez ce que vous venez de dire? Vous regardez Poutine, si vous connaissez bien Poutine. Puis vous regardez le président nigérien, qui est actuel maintenant. Puis maintenant, vous tournez maintenant, vous regardez le passé, vous regardez le général de Gaulle. Et maintenant, vous tenez comme ça, vous regardez en Amérique, vous regardez un peu au sud, vous serez le président de la France. Donc, ils vont savoir de quoi il est question. Donc, il vient de donner sa description et sa nationalité. Qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. D'accord? Un homme fermé, dur, mais c'est un nettoyeur, il vient pour nettoyer, il ne rit pas. Alors, ça, c'est pour la France.